Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et alors aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo assez exceptionnelle les gars. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à bombarder de likes, à commenter et à partager un maximum les amis. Parce qu'aujourd'hui les amis, vous voyez ce que j'ai derrière moi les amis, on a une F8 Tributo les amis. Voici quelques images. Donc comme je vous le disais, l'équipe Ferrari F8 Tributo. Mes amis, celle-ci évidemment, elle n'est pas d'origine. Alors pour ceux qui ont déjà remarqué un petit détail, vous allez comprendre directement pourquoi elle n'est pas d'origine. Celle-ci, évidemment, elle a été prise en charge par Novitec. Donc en gros, elle n'a pas été complètement prise en charge par Novitec. On n'a pas le kit N-Largo, etc. Mais on a les jantes Novitec à l'avant. Donc on est sur du 21 pouces et du 255-30 à l'avant. Mais à l'arrière, on est à du 22 pouces les amis, 335-25. Vous imaginez pas la largeur des pneus les gars. Ça doit être juste incroyable. Voilà, comme ça vous voyez la largeur du pneu. C'est une dinguerie hein, honnêtement. Aussi, donc à part les jantes Novitec, elle a l'échappement Novitec ici, comme tu peux le voir, qui est un peu bleuté. Vous captez directement que ça m'a pas l'air très d'origine tout ça. Hein. Elle a fait un bruit de malade, hein. Le propriétaire l'a déplacé et honnêtement ça n'a rien à voir avec une F8 normale. Hein. Avec l'échappement Novitec, honnêtement, ça change tout. Bon, pour ceux qui ne savent pas, la F8 Tributo, ça a été la remplaçante de la Ferrari 488, d'où le moteur V8 biturbo, parce que le V8 biturbo, en effet, de chez Ferrari, a commencé à partir de la 488, si je ne dis pas de conneries, parce que je sais que la 458, c'était un moteur Atmo. Mais là, les amis, on a 720 chevaux, 770 Nm. Et franchement, ça m'a l'air d'arracher. Je suis vraiment curieux de tester ça sur route. Les freins, comme on peut le voir, elle a les étriers jaunes. Elle a les freins Brembo, donc carbone céramique. Alors, je vais pas vous mentir que envie de les payer, ça me donne pas tellement envie, honnêtement. Elle a aussi là, donc, la petite bande là, inspirée un peu type Pista. Alors ça, c'est juste un autocollant en fait, hein, les gars, ça n'a pas été peint directement. C'est un autocollant qui a été posé et qui fait directement traverse en fait toute la carrosserie jusqu'à cette sortie d'air. Et puis cette sortie d'air aussi qui a été un peu inspirée type Pista. Donc cette sortie d'air en fait, elle passe par là, hop. Et puis en fait elle fait le tracé de la bande. Mais l'entrée d'air de tout ça est juste ici en dessous. Mais honnêtement comme ça elle est violente, hein. Rosso Corsa, F8 Tributo. Honnêtement c'est un truc de fou quoi. Elle a donc le blason Ferrari qui est imprimé enfin en 3D. Donc c'est pas la version qui est peinte. Parce que la version qui est peinte elle est aussi beaucoup plus grosse. Et puis la version comme ça, ben, tu vois, tu ressens qu'il y a un petit relief quoi. Pas de carbone à l'extérieur. Après, je peux comprendre parce que honnêtement, la voiture elle m'a l'air assez basse. Elle m'a l'air très basse, hein, honnêtement. Donc, je peux comprendre qu'on peut pas prendre qu'on préfère pas prendre le carbone à l'extérieur. Mais vous allez voir à l'intérieur, c'est différent. Mais franchement, elle a vraiment une vraie dégaine à la F8. Honnêtement, c'est une vraie réussite. Hein, honnêtement, moi je trouve personnellement, c'est une réussite incroyable, franchement. Bon, évidemment, l'équipe, on a un V8 biturbo, les amis, de 3,9 litres, de 720 chevaux et 770 Nm de couple. Bon, avec l'échappement Novitec, etc., je pense qu'elle doit sortir quand même un peu plus, bon, pas grand chose, hein, mais un petit peu plus que 720 chevaux, ou peut-être justement tout juste à sortir à ses chevaux. Mais en tout cas, bon, malheureusement, on n'a plus les moteurs atmosphériques, hein, les amis. Mais je pense qu'on va quand même ouvrir ce capot moteur et voir un peu ce qui se cache là-dedans, même si on le voit à travers le plexiglas d'ailleurs. Le petit plexiglas, les amis, histoire très intéressante, il a été inspiré de la Ferrari F40, donc ça a été repris d'une Ferrari F40 en fait, hein. C'est en plexi, hein. Je pense que vous avez capté, je vois, c'est en plexi, ça a été inspiré en fait de la Ferrari F40. Donc voilà, petite anecdote sympa pour ceux qui ne le savaient pas. Bon, on va ouvrir le capot, donc d'abord, hop, on ouvre ici, l'intérieur est incroyable, on va y revenir. Hop, et puis là, hop, tout simplement on tire. Et vous allez voir ici que ça s'ouvre automatiquement. Voilà. Donc là, vous avez le magnifique V8 biturbo, les amis. Vous pouvez le voir, il est juste incroyable.
honnêtement, Ferrari, ça reste quelque chose. Pour moi, les gars, ça reste au-dessus de tout. C'est une marque qui reste, franchement, ma marque de supercar préférée. Je préfère Ferrari à Lamborghini, honnêtement. Même si Lamborghini, c'est une dinguerie. Mais bon, voilà. En tout cas, voilà, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. C'est vraiment hyper stylé. Je ne vous ai pas trop montré l'arrière. Le voilà. Comme vous pouvez le voir, ici, on a un petit aileron. En fait, on dirait qu'il se lève, mais ce n'est pas du tout le cas. Tout simplement, on a donc la prise d'air ici à l'avant. Enfin, la sortie d'air plutôt. Qui passe pour le vent, hop, on veut dire que ça fait le trait de la bande et ça sert en fait à avoir de l'appui sur la route, évidemment, c'est à ça que sert un aileron. Et la sortie d'air en fait elle est juste ici, donc c'est une caisse qui a été vraiment fabriquée pour l'aérodynamisme, quoi. C'est vraiment très bien, c'est vraiment une caisse qui est très bien étudiée. Moi, c'est une voiture, franchement, Ferrari, c'est une marque qui me passionne parce que c'est des voitures qui sont super bien étudiées, honnêtement. Moi ça m'impressionne, je sais pas vous, honnêtement. Dites-moi d'ailleurs quel est votre supercar préféré. Je serais bien curieux de savoir ça. On a encore d'ailleurs ici même une entrée d'air pour faire refroidir les pneus et les freins carbone céramique, l'équipe. Pour ceux qui ne le savaient pas aussi, elle possède du coup les deux feux de chaque côté. Ça a été inspiré évidemment, les amis, de la 812 Superfast, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. C'est un peu la nouvelle... Enfin, c'était à l'époque un peu la nouvelle... Enfin, à l'époque, c'est... Il n'y a pas très longtemps, hein, les gars. Mais c'était à la nouvelle marque de fabrique de Ferrari d'avoir deux feux de chaque côté. Là, maintenant, ils sont passés au même système avec les feux carrés comme on peut voir sur la SF90 ou sur la 296 GTB. Mais je trouve que c'était pas dégueu, hein, au final, les deux feux comme ça ronds. Ça, c'est pas plus mal. Franchement, je préfère. Bon, passons maintenant à l'intérieur, les amis. Vous allez voir que c'est quand même bien, bien, bien fini tout ça. Donc, on a un intérieur noir classique sur piqué rouge avec option carbone mat, les gars. On a ici l'entrée de porte avec l'inscription Ferrari et le tapis évidemment en option avec l'inscription F8 Tributo. On a un intérieur full carbone mat, les amis. Donc on a du carbone mat ici, là, avec des surpiqûres, les amis. Vous avez vu, c'est pas délaissé, ça n'a pas été abandonné, rien. Bon, après, en même temps, vu la marque et le prix, je pense qu'on a tous compris pourquoi. Le fond de compteur est en jaune, qui est une option aussi. Je ne sais pas si vous allez le voir d'ici. Fond de compteur en jaune avec le volant mais plat. Bon, ça c'est classique, mais on a la finition carbone mat aussi. On a les sièges sport, c'est pas les sièges confort ceux-là, si je dis pas de bêtises, hein, mais c'est pas les sièges confort, c'est les sièges racing, on appelle ça, avec le dossier en carbone mat. Alors si ça c'est pas un truc de fou, dans ce cas-là, l'équipe, j'ai pu mieux vous montrer le dossier tout en carbone mat. Regardez-moi comment il est incroyable, c'est un truc de fou, hein. Puis à l'arrière, on a des filets de rangement quand même, en cas où tu veux ranger un truc. Et puis, Ferrari propose en fait un style de bagage qui est exactement à la bonne taille ici pour pouvoir mettre vos affaires plus dans le coffre, évidemment. On a le logo Ferrari ici qui était brodé. Donc c'est brodé, hein, donc c'est vraiment 3D. Mais elle ne dispose pas des harnais de course, en fait. Elle a juste tout simplement la ceinture rouge. Et puis honnêtement, les harnais, c'est un détail, hein, franchement. Mais voilà, on a même des filets de rangement à l'arrière, d'ailleurs. Voilà, je vais oublier de vous préciser en fait qu'elle a juste la ceinture normale et pas les harnais, parce que les harnais c'est en option. Donc nous voilà à l'intérieur de cette Ferrari F8 Tributo, les amis. Donc on a deux compteurs digitaux sur les côtés et, comme je vous ai montré, le fond de compteur en jaune. Donc ici pareil, tout fini en carbone mat, elle est toute option. Et puis ici on a le couloir central aussi en carbone mat, pardon. Ici aussi du cuir, donc pour la jambe du cuir. On a de l'alcantara, enfin c'est même pas de l'alcantara, c'est du daim. C'est vraiment du daim. Et puis vous pouvez voir qu'elle manque aucune option, hein. La caisse, honnêtement, tout est chargé. Ici on a donc les modes de conduite, on a le race, on a le sport, on a wet, donc ça c'est quand il pleut. ESP off, et CT off, c'est la stabilisation. Voilà. Et donc nous voilà à l'intérieur, l'équipe, et franchement, ce siège racing, on sent que tu pourrais pas faire de longs trajets dedans, hein, honnêtement. Mais ça, franchement, ça tient bien, ça se voit que dans les virages, voilà, ça bouge pas. Mais en tout cas, c'est cool. Petite préférence personnellement pour la version Spider, ça devrait être vraiment quelque chose, c'était décapotable. Mais bon, ça on l'a pas. Par contre, on a un toit, un plafond plutôt, en Alcantara, avec les séparations ici, en rouge. Et puis, on a la vue à l'arrière sur ce magnifique V8. Non, franchement, c'est fou. Et puis on a aussi, un peu comme sur les 812 Superfast, un écran secondaire, mais ça on le verra pendant la route, pendant l'essai sur route, on verra le compteur à côté. Et donc là on a pour les vitres aussi, d'ailleurs ça aussi c'est très 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 spécial, on a les vitres, ça c'est pour au milieu, et là on a les clignotants.
Pour ceux qui ne savaient pas, chez Ferrari, les clignotants sont sur le volant. Pareil pour le volant. Donc on n'a rien vraiment spécialement au milieu. Après, bon, c'est pas fait pour, hein, les refs. Mais voilà, vous avez capté le délire. Mais honnêtement, c'est impressionnant, Ferrari. Je ne vais pas vous mentir. Incroyable. Et là, le volant avec le shift line ici, donc, qui gère vos compte tour minute en fait quand vous êtes dans n'importe quel mode, hein, mais quand vous êtes plutôt en mode de conduite assez très tuning, bah, au lieu de regarder votre compteur tour minute, bah, ça s'affiche vraiment au niveau des couleurs ici, et puis quand vous arrivez vraiment au rouge, c'est que vas-y frérot, passe la vitesse quoi, tu vois, t'as capté le délire avec la palette là comme ça qui est énorme, c'est un truc de fou honnêtement. Ok les amis, cold start de la F8, c'est parti. Incroyable, incroyable. Waouh. Il fait un son, les amis, avec l'échappement de Novitec, c'est un truc de fou. Donc c'est de ça que je vous parlais, l'équipe là, l'écran secondaire en fait. Il m'éloigne un petit amour de ce nu. Privé, donc il l'a depuis 3 semaines les amis. Essayer.
Gouy Raiders. Wir werden die Eidrecke. Oh mei. Les amis, petite précision, je voulais quand même remercier le propriétaire de m'avoir laissé l'honneur de filmer. Honnêtement, c'est super gentil de sa part. Pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est celui qui avait le Jeep Trakok à vendre. Pour ceux qui se rappellent, voilà. Le Jeep a été vendu et il a pris la Ferrari à la place. Donc voilà, la même puissance, etc. Ben, c'est super cool. Hein. Franchement, honnêtement, ça fait super plaisir. Les amis, c'est une fin de vidéo. Merci à tous d'avoir suivi. Merci à tous de me suivre tous les jours. Merci à tous. Franchement, pour tout, pour toute l'aventure qu'on a jusqu'à maintenant, c'est grâce à vous qu'on peut filmer ce genre de voiture. Je suis vraiment reconnaissable, les amis. En tout cas, un grand, grand merci. Continuez à liker, commenter, à partager à fond, les amis. Je compte sur vous. Franchement, voilà. Et fuite tributo, violent, les amis. Violent. C'est sur route, comme vous avez pu le voir, c'est trop. C'est trop. Honnêtement, c'est incroyable. C'est la même puissance que le Jeep, les amis, sauf que c'est beaucoup plus léger, quoi. Mais c'est un truc de malade, quoi. Et encore, le Jeep, il était reprogrammé, si je dis pas de conneries, je crois qu'il a plus de 800 chevaux. Donc voilà. En tout cas, les amis, merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager un maximum. Prenez soin de vous et de votre famille, c'est le plus important, les amis. Ciao.